Et bonjour et bienvenue dans la troisième et dernière partie de l'épisode 4 de l'héritage Greenberg. Une partie qui va être forte en émotion, alors je ne vous retiens pas plus et je vous dis à tout de suite après le générique. Aiden. Je supposais, même si on n'en a pas discuté, que vous m'avez déposé... Ah non, mais c'est pas loin à pied, en plus. Du FBI oui, c'était pas très loin. FBI. Moi, je le ferai à pied. Hein. Je le ferai à pied parce que j'ai un coup de fil à passer. J'aimerais voir si dans mon grand calendrier d'individus de carnet d'adresse, j'aimerais faire appel à un ami en utilisant un test pour le faire. Au sein des réseaux police, NOPD, informatique, etc., j'aimerais voir si parmi les personnes que je connais, il y aurait quelqu'un qui aurait la possibilité d'accéder aux vidéocaméras de l'ancien bâtiment lors de la déposition de William Babbitt. Et c'est très risqué. Ouais, c'est ultra risqué. Parce que mon hypothèse, c'est que quelqu'un a vu cette déposition. Moi, le détective, je le sens plutôt bien. Par contre, je sens que quelqu'un a vu cette déposition et ce phénomène se produire. Et... Je vois la coupure. Je vais prendre un pile poil là. Ça okay. Fait peur. J'ai mon cœur qui... C'est parti. Pardon. Reprends tout ce que tu disais. Yes, je reprends. Et je cherche à savoir... qui était présent lors de la déposition, qui a pu voir cette scène, qui a pu... Mais c'est... Je suis conscient du risque. Je suis conscient du risque. Tu veux vraiment le faire? Il va falloir être bon au dé. Ouais, je trouve ça complètement inconsidéré. Aiden... En fait, tu sais que ce que tu es en train de demander, c'est un piratage. En soi, je veux une consultation, je veux pas un piratage extérieur oui, de la police. Oui, ça reste un piratage. C'est-à-dire que c'est... Okay. Si tu le fais hors des protocoles, oui. C'est... Enfin, voilà, c'est faux. C'est inutilisable. Oui, en effet. Au tribunal, déjà. Mmh. Et si tu te fais choper... Non, mais je vois comment ça peut paraître disproportionné. Ok, du coup. Ouais, dans ce cas-là, je vais simplement essayer d'enquêter sur la personnalité publique qui est le commissaire Sanderson, opinion politique, tendance, amitié, fréquentation, dans l'accessible. Le commissaire Sanderson est un républicain pur jus, très conservateur. Il a une politique répressive assez dure. Il est... position anti-avortement, anti tout ce que tu veux, anti-progressiste, anti, tu vois, voilà, anti. Mm-hmm. Voilà. Il n'est pas réputé pour être un tendre, mais depuis qu'il est là, les stats de la police s'améliorent et il y a un léger recul de la criminalité. Donc, il est plutôt efficace. Et il est plutôt apprécié. Par, en tout cas, la population qui compte. Et qu'est-ce que je trouve dans la presse concernant les changements de locaux de la police? Qu'est-ce qui a permis ce levier? Qu'est-ce que je trouve sur les financements, les annonces publiques à ce sujet? C'est juste que, en fait, l'ancien bâtiment était trop cher, tout simplement. C'est une question de budget. Hein. Okay. L'ancien bâtiment était beaucoup trop cher à entretenir. C'était un bâtiment historique. En fait, ils vont en faire autre chose. Ils vont le transformer en musée. Mais voilà, c'était un bâtiment historique, ça coûtait une blinde
à entretenir, à réparer, il fallait le réparer tout le temps, etc. Donc, ils ont revendu le bâtiment, en fait, et ils ont utilisé les fonds pour faire construire un commissariat tout neuf, avec des infrastructures adaptées, des cellules adaptées, des garages adaptés pour les véhicules modernes, etc. etc. C'est, vraiment, c'est un upgrade et c'est une... C'est très pragmatique, en fait. C'est une vision très pragmatique de la chose. Ça ressemble à du pragmatisme. Ok, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. Bon, dans ce cas-là... D'ailleurs, dans mon groupe, pendant votre scène, j'ai fait beaucoup de choses en termes de réflexion. J'ai même oublié ce que je devais aller faire au FBI, moi, maintenant. Toi, tu voulais retourner voir Babbitt, toi, surtout. Oui, c'était William. Ça. Je voulais voir William Babbitt, ouais, c'était ouais. Ça. Donc, tu as quand même pris du temps pour faire des recherches au FBI. Ouais, ce sujet me trotte trop à l'esprit. Donc, je veux prendre un temps pour ça, ouais, quand même. Ce qui peut vite engendrer une heure, quoi. Okay. Je suppose. Ouais, tout à fait. On peut vite arriver là-dedans. Et dès que j'ai fait ça, je pars pour l'adresse de William, ouais. Ok. Alors, William habite dans le centre aussi, mais pas le même centre. Il habite dans le quartier de Gentilly. Et le quartier de Gentilly, c'est un quartier assez pauvre, constitué de plein de petites maisons. Tu sais, ces petites maisons typiques de bois, majoritairement, avec toujours un espèce de petit terrain autour, mais éminemment pauvre d'ailleurs. Quand tu passes dans la rue dans laquelle il habite, tu vas croiser trois ou quatre maisons où tu vois encore les scellés de la police, tu sais, qui barrent la porte. Enfin, voilà, c'est pas le quartier le plus sûr et le plus riche du monde. Les maisons doivent être vraiment pas chères. Certaines ont encore les... En fait, certaines sont encore en ruine, post-Katrina. Certaines ont été reconstruites. D'autres portent les séquelles de Katrina. Elles ne sont pas en ruine, mais elles en portent les séquelles, notamment régulièrement sur les toits. Tu vois des inscriptions à la bombe, help, ou ouais. Des choses comme ça, qui sont restées là, qui n'ont jamais été nettoyées. Et bref, tu arrives devant chez Babbitt, une petite baraque bleu foncé, qui a pas d'étage, c'est un plein pied, mais la maison doit faire certainement pas plus de 70 mètres carrés, hein. C'est vraiment une petite maison. Et il y a devant un petit portail enfin, t'as un petit jardin, un petit portail qui permet l'accès, puisqu'elle est clôturée quand même. Si je me souviens bien ma culture cinématographique américaine, je peux même pas théoriquement rentrer au-delà du portillon, même pas aller jusqu'à la porte. Tu peux aller jusqu'à la porte. Ça va. Aller jusqu'à la porte. Okay. Tu ne peux pas rentrer. Si la porte est ouverte, si le portillon est ouvert, tu peux rentrer. S'il est fermé, tu peux pas, évidemment. Voilà. Par contre, à l'intérieur de la maison, oui. Ça, okay. Tu ne peux pas. Eh bien, je m'avance et je vais... T'entends des pas lourds. Et la porte s'ouvre. Puis la deuxième porte, moustiquaire, qui s'ouvre aussi. Tu vois un homme facilement, ouais, 50-60 ans. Facile. Usé. Pas très grand, assez gros. Il devait être assez trapu et costaud, mais maintenant il a pris un poids assez, assez important et il lui manque plein de cheveux. Mais il essaye quand même de donner l'impression d'en avoir, donc il a une espèce de mèche comme ça qui repart sur le côté pour cacher sa calvitie difficilement. Cheveux gras, il est transpirant. Et son nom complet sur le dossier, c'était ? William Babbitt. Babbitt, c'est bien Babbitt, donc ouais. C'était pas juste un surnom. Ouais. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous êtes bien William. Ouais, c'est moi. Je m'appelle Jean Aidan Williams du FBI. Vous avez fait une déposition récemment chez nous. Ah, ouais, vous avez retrouvé ma carte ? Alors, j'ai pas retrouvé votre carte, mais je viens justement échanger avec vous à ce sujet. On est en train d'enquêter sur le sujet. Donc, d'abord, je voulais vous dire qu'une oreille attentive est portée sur vos propos. On n'ignore pas ce que vous dites. Ouais, c'est bien, pour une fois que le gouvernement fédéral sert à un truc. Mais j'aimerais justement légitimer votre déposition. Mais je viens quand même vous poser quelques questions supplémentaires, parce que dans la déposition, il y avait des éléments très intéressants, mais je pense qu'un petit face-à-face allait être important. Est-ce que c'est possible d'entrer, de discuter avec vous à ce sujet ? Ouais. Je prendrais bien un café si vous en avez. Vanessa !
Prépare un café. Et il rentre en fait. Ouais, venez vous installer dans le salon. Et tu rentres dans une petite baraque complètement défraîchie. Ça sent le renfermé à l'intérieur. C'est très sombre. Tu vois, la lumière peine à passer. Oups, j'ai fait tomber le micro. La lumière peine à passer. Les fenêtres, les volets sont à moitié fermés. Il va t'amener dans un salon où il va dégager des revues d'un canapé, d'un vieux canapé sur lequel il va s'asseoir. Il te montre un fauteuil. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Vous avez l'habitude de filmer votre quartier ? Ouais, tous les jours. Je prends ma caisse et je traverse le quartier, je filme ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant, ce qui sort de l'ordinaire, tout ça, tout ça. Qui sort de l'ordinaire ? Vous envoyez beaucoup de choses ? Vous avez vu le quartier ? Oui, compliqué, en effet. Voilà. En effet. Donc, clairement, ouais, il y a plein de choses qui sortent de l'ordinaire ici. Les flics, ils n'ont rien à battre, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ouais, c'est compliqué de faire bouger certaines choses. Ces problèmes des gangs, c'est des problèmes de gangs essentiellement, ou est-ce qu'il y a d'autres soucis ? Bien sûr que c'est des problèmes de gangs. Les politiques font rien, la police fait rien, personne fait rien. Oh, sérieusement, j'espère que Trump va faire un truc. Hein. Et est-ce qu'au-delà des gangs, c'est lesquels qui sont impliqués, justement ? Ah, je connais pas leur nom, j'en sais rien, moi. De toute façon, ils sont tous pareils. Enfin, je veux dire, oui. Ouais. De type afro-américain, quoi. D'accord. D'accord. Voyez truc. Les sœurs de Marie, ça vous parle ? Ouais, j'ai dû entendre le nom. C'est un des gangs du coin, je crois. Mm-hmm. Oui, en effet. Je m'attendais à ce que vous ayez peut-être un peu plus d'informations là-dessus, mais c'est vrai que quand on est proche et qu'on est dans le dur et qu'on est comme vous justement dans un contexte compliqué sur le plan social, je m'attendais à ce que vous ayez des confrontations un peu plus régulières. C'est moi, ça, personnellement, j'évite ces gars-là en fait. J'évite de me mêler à eux, je reste discret, je regarde le quartier, j'observe. Quand il y a un truc louche qui se passe, je filme. Voilà, c'est tout. Je fais pas justice, je m'y intéresse pas. Et surtout, cherche pas à intervenir. Moi, après, j'envoie les trucs chez les flics si jamais il y a besoin. Et puis, c'est les flics qui interviennent. Et c'est assez marrant parce que les flics, ils n'interviennent jamais. C'est pas la première fois que vous déposez une carte. Bien sûr que non, c'est pas la première fois que je dépose une vidéo. Bien sûr que non, mais ils en ont rien à faire. J'en ai parlé à la mairie, j'en ai parlé à la police, j'en ai parlé aux pompiers, j'en ai parlé à tout le monde. J'en ai même parlé à votre bureau du FBI, personne n'a rien à battre ici. On est dans un quartier de pauvres et tout le monde nous abandonne. Exactement comme l'État. Tout le monde nous abandonne. Vous savez quoi ? J'ai fait la guerre du Golfe, mon gars. J'ai fait la guerre du Golfe. Je suis rentré. J'aurais dû être traité en héros, tu vois. J'aurais dû être soutenu. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une pension de $550 par mois. OK ? Et encore, dans les bons jours. Parce que des fois, ils me la suppriment. Pourquoi ? Parce que ma femme est caissière. Tu vois ? Alors, ma femme, avec son salaire de caissière, elle devrait gérer pour nous deux. Elle devrait rapporter l'argent pour les deux à la maison. Tout le monde nous abandonne. Et ce quartier, il est aussi abandonné que les vétérans. Vous avez parlé, lors de votre déposition, de la situation au bâtiment qui a pris feu plus loin, sur Ring Boulevard. Ouais. Vous pouvez me redécrire ce que vous avez vu ? Je suis arrivé, j'étais en voiture, j'ai vu un truc un petit peu louche, il y avait une bagnole, elle était grosse, c'était un genre de gros pick-up quoi. Un truc un peu sombre avec les vitres teintées, c'est pas trop le genre de là-bas, vous voyez. Pick-up un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu boueux, un petit peu, pas du coin, je veux dire. Ouais. On a pas trop de boue par ici. Du coup, je me suis arrêté, je me suis garé tranquillement. J'ai filmé avec ma petite caméra parce que sincèrement, personne fait attention à moi, personne fait attention à ma bagnole de merde. Et qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai vu des gars qui déchargeaient de l'arrière du pick-up des sacs, des gros sacs, genre un truc, on aurait dit, je sais pas moi, de la bouffe pour animaux ou de l'engrais, vous voyez ces genres de sacs-là énormes, on peut bien faire 15 à 20 kilos chacun. Voilà, et ben ça, ils ont déchargé, ok, et ensuite, il y a un mec qui est rentré, je saurais pas vous le décrire, c'était un peu trop loin, mais justement, j'ai fait un zoom, c'est tout ça, c'était sur la vidéo, bordel. C'était sur la vidéo, j'ai même pris la plaque de la bagnole. Bordel, il y a la plaque de la bagnole sur la vidéo, les mecs. Et vous avez perdu ça. Vous voyez ? Alors, sincèrement, moi, je veux bien vous réexpliquer ce qui s'est passé de fond en comble, il n'y a pas de problème. Mais non, je ne sais pas, je ne saurais pas vous les décrire en détail. Tout ce que je sais, c'est que c'était des blagues.
Voilà, c'est tout. C'était des blagues. Mais comme les trois quarts des gars du coin, en fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y en avait aucun qui avait une marque blanche en forme de crâne. Ça me rappelle rien. Et ils étaient combien? Là, ils étaient 4-5. Ils étaient pas nombreux. Ouais. Il y avait un gars qui avait l'air d'être le boss. Ouais, mais lui, je l'ai pas vu. Je l'ai vu que de dos. Il était assez grand, il était imposant. Il ressemblait pas aux autres. Il avait un espèce de grand manteau, machin. Enfin, voilà. Après, je sais pas, parce que vraiment, je l'ai vu que de dos et de loin. Alors. Et il y avait personne d'autre dans la voiture? Pas que je sache, non. Après, peut-être que sur la vidéo, vous pourriez analyser des trucs si vous la retrouvez. Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre avec vos appareils, là, vos ordinateurs super puissants, vous faites des zooms, machin, et puis il y a les pixels qui s'enlèvent ça. Vous voyez le truc, là? Comme dans les films, comme dans les séries. Ça se passe parfois comme ça. Ouais, ça se passe comme ça, mais c'est Mais on va les trouver. On va les trouver, on va trouver la carte SD déjà. Et puis, mais moi, je voulais avancer sur le sujet parce que je trouvais important que vous soyez reconnu aussi par votre geste. Est-ce que, par rapport à l'incendie, vous avez vu jusqu'à quel stade, vous? Dès que ça a sauté, en fait, je me suis barré. Je n'ai pas demandé mon reste, sincèrement. Ouais. Ok, très bien. Tout ce que je sais, c'est que le gars, il est rentré dans le bâtiment et c'est quoi? Ouais, même pas 5 minutes après, ça sautait. Donc, vous êtes certain que tous les individus étaient de type afro-américain? Je comprends ce que vous vivez. Clairement. Peut-être pas le mec de dos, mais en fait, le mec de dos, je sais pas, j'ai pas vu, il y avait un col haut. C'est ce que je veux valider. Vous comprenez l'importance de ce genre de détails, j'espère. Ouais, mais je comprends, c'est pour ça que j'ai filmé, en fait. C'est pour ça que tout est sur la caméra et sur la vidéo. Justement, vous voyez, parce que... Je me souviens pas de tout, les détails partent, j'ai la tête un petit peu en vrac. Vous savez que j'ai une plaque en métal là dans la tête, j'ai un éclat d'obus qui m'est arrivé sur la tronche, d'accord? Après un bombardement, ce saloperie là, vous voyez? Hein, on était en plein désert, on s'est fait choper comme ça en plein milieu avec mon unité, bam, un obus qui explose, bam, les jeeps renversés, bam, l'éclat dans la tronche. Voilà, maintenant j'ai une plaque. Je me souviens pas de tout, c'est pour ça que je filme, parce que quand je filme, le film c'est ma mémoire, vous voyez? Et on vous remercie pour votre service durant cette guerre qui a été très complexe. Ouais. D'ailleurs, avec vos dons, votre passé, est-ce que vous savez localement qui pourrait... c'est un peu en off là ce que je vous demande, mais qui pourrait procurer des armes de guerre localement ou qui en possède? Vous qui filmez beaucoup de choses. Mais toutes les petites ordures, toutes les petites racleurs du coin possèdent des... Des fusils. On a des pistolets mitrailleurs qui traînent. On a même des fusils d'assaut des fois qui traînent, mais ils les sortent juste pas trop, c'est tout. Ils restent un peu discrets, mais évidemment qu'ils en ont. Évidemment. Vous croyez quoi? Évidemment. Très bien. Merci pour ce temps. Je pense que j'ai tout ce que je veux. Et tout ce qu'il me faut. On vous fera un retour dès qu'on aura retrouvé la carte SD et on vous remercie pour votre service. Ouais, dites-moi comment ça se passe. Très bien. Merci, William. Et je vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous. Et je m'en vais. Quel jeune homme sympathique. Eh ben William, William, voilà quoi. Il est plus sympathique que j'aurais cru. Ça va. Je t'attendais à moins sympa. Ouais. Ok. Bon, William, eh ben, dès que j'ai terminé ça, je retourne au FBI, à l'agence. Et soumettre ça, rédiger des rapports, synthétiser les informations et attendre que Ila et Shane reviennent. Et elles vont revenir à peu près au moment où tu rentres au FBI, le temps que vous repreniez la route. Comment ça s'est passé? Super! On a résolu toute l'enquête. Je pense que on peut aller prendre des vacances. Tu es nulle en sarcasme, Mila. Du coup, ça s'est mal passé? Ça s'est pas mal passé. Ça s'est pas passé. Quoi, il parle pas? C'est un légume. C'est un légume de 40 kilos qui a le regard dans le vide, qui dit pas un mot, qui réagit à rien. Qui est froid.
Et ouais. Et pas de... le dossier médical, je suppose que c'était délicat. Il faut un mandat. Sauf qu'on n'est pas censé avoir ces informations. Donc oui. On n'est pas donc censé demander de mandat. Pas avoir de mandat, ouais. Il n'y a pas vraiment de chance qu'on y retourne. Non. Non, 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 de toute évidence. Donc c'était une fausse piste. C'est dommage, je le sentais bien. Je sais pas si c'était une fausse piste, mais j'ai une petite envie quand même de... d'y retourner avec toi. Que t'ailles le voir. Peut-être. Tu crois qu'ils ont une espèce de... lien mystique? Non, mais j'y ai pensé pendant que vous étiez sur la route et j'ai fait quelques recherches sur d'autres sujets, je vous en parle après, mais... j'ai pensé à ce que disait Jim sur... ouais, bon, voilà quoi, mais c'est un peu farfelu le truc. Mais il parlait de liens, il parlait de manifestations qui viennent à des moments propices. Donc oui, je suis assez tenté de... je suis assez tenté d'aller vivre l'expérience, en tout cas, pour voir. Je pense que je peux faire face au sujet. Et ça peut vraiment débloquer des choses, donc ouais. Il n'y va pas tout seul. Non, non, je veux bien un backup, ouais, toujours. Ouais. Concernant William, je vous la fais rapide. Il m'a fait un descriptif de la situation. Pick-up, vitre sombre. Ce qui nous a été dit est relativement clair. Hein. Il a... bon, c'est pas un gars très sympa, hein. Mais il a quand même décrit 4 individus. Je lui ai fait valider, type afro-américain, un dont il connaît pas l'apparence réelle. Donc 5 individus à peu près qui auraient amené les sacs, comme ce qui a été dit. Est-ce qu'ils avaient l'air grands, petits, jeunes, vieux? J'ai pas ce descriptif-là, j'ai pas pensé à demander l'âge des individus. Parce que afro-américains, c'est plutôt les zombies, il me semble que les Sœurs oui, de Marie, c'est plutôt les Caraïbes. Alors ouais, j'avais ce souvenir aussi. Donc, mais bon, rien n'indique... enfin voilà, c'est pas parce que afro-américains ont des zombies, donc compliqué. Maquillage. Rien, pas de signe distinctif. Il faisait, ouais, il faisait référence à la vidéo systématiquement, donc c'était un peu compliqué de gérer l'ironie de cette situation-là. Pick-up avait de la boue, donc pas pick-up de ville. Hein. Toutefois, vitre teintée et pas un pick-up de local. Pas, j'ai l'impression de la façon dont il le décrit qu'on est en train de parler de quelque chose qui a quand même de la valeur, hein. pas de n'importe qui, mais qui sort pas de la ville non plus. Je trouve qu'on a plusieurs éléments aujourd'hui qui évoquent un peu le countryside, quoi, la campagne, le bayou et tout. On a un pick-up qui est, mais y a quelque qui chose est boueux, il y a de l'engrais qui est le truc qui a fait péter l'immeuble, c'est un engrais agricole. Il y a Milberger qui a été retrouvé à côté d'une ferme. C'est vrai. Il faudrait qu'on regarde toutes les grosses exploitations qui sont dans le coin. Ou alors aller à cette ferme qui est censée être à l'extérieur. Mais après, s'ils l'ont laissé à cet endroit-là, pour qu'on le retrouve, ils n'auraient pas mis un lieu particulier qui pourrait servir à l'enquête. Ouais, mais en tout cas, il n'était pas en ville, tu vois. Enfin, mais ces personnes-là connaîtront peut-être les grosses fermes locales. Parce qu'on peut toujours regarder sur... Le truc qui a pété, c'est un engrais agricole. Donc en fait, il y a un moment donné, oui, mais on n'a pas de piste fournie quelque part. On va pas soulever toutes les meutes de foin du coin jusqu'à trouver quelque chose de louche. On parle quand même de 4 ou 5 sacs d'un engrais agricole qui est réputé quand même pour prendre feu et exploser. Je pense que quand tu te fournis... C'est facile à se procurer, ça, Ila? Bah, je pense, hein. Dans les environs, il y a pas mal de choses qui poussent. Mais est-ce que je peux faire un test pour quantité. Me souvenir de, je sais pas, mes études ou... Ma question pour Ila, c'est... T'as rien qui te... J'ai rien qui me... Ouais, ok. D'accord, oui, c'est vrai que t'es pas agricultrice. Non, pas absolument pas. Pour le coup, c'est pas ta zone de spécialité. Ouais, ouais. Hein. Ouais, en effet. Du coup, ça me donne encore après, plus envie de chercher une expertise là-dessus. Ça peut être un truc que j'ai déjà entendu parler. En fait, tout le monde a entendu parler du nitrate d'ammonium en soi. Si tu veux, c'est pas un truc, c'est pas peu courant comme une fois que Barthélémy t'en a parlé, tu te dis ah oui c'est vrai. Une bonne fois qu'il t'a parlé de Breivik, tu vois, tu fais ah oui non c'est vrai. Ok. Le problème c'est qu'on n'a pas de piste. Moi je veux bien aller explorer les environs, mais non, se balader dans la campagne pendant des heures sans rien trouver. Non, pour moi ça, la piste qu'il faut qu'on suive, il y a le Cayoun Club qui revient régulièrement. Oui.
Il faut qu'on enquête, qu'on continue d'enquêter sur les gangs, sur les sœurs de Marie et sur les zombies. Je pense qu'on peut aller essayer de trouver des infos, sur peut-être parler aux locaux. Les locaux, ils connaissent bien les sœurs de Marie. Il y a peut-être possibilité de leur tirer les vers du nez. Ça va être compliqué, on est des agents du FBI, mais je ne sais pas, on n'a pas tenté cette piste-là. Et on n'est pas retourné à la librairie. C'est vrai. On peut retenter la librairie. Pour les sœurs de Marie, on voit Clark, c'est vite fait. On a oublié de le faire tout à l'heure. Oui. On lui avait déjà posé plein de questions, par contre, sur les sœurs de Marie. Sur les sœurs de Marie ? Je crois qu'il ne savait pas grand-chose. Il me semble qu'il ne savait pas grand-chose. Ok, d'accord. Bon, ben, à la librairie, vous étiez censé avoir des infos, mais si ça s'est mal passé, c'est peut-être pour ça que vous n'en avez pas. Si on la retente, on aura peut-être des infos supplémentaires. Si vous voulez, moi, je suis dans un mood où, voilà, avec Milberger, je lui ai raconté toute ma vie pour essayer de lui faire réagir. Ça n'a pas marché. Je reste dans mon mood et je vais à la librairie et je vais faire pareil. Je vais jouer carte sur table et on va voir ce que ça donne. Et vous tous les deux, vous allez voir Milberger ? Ok. T'en penses quoi ? Moi, j'en pense que j'aimerais bien être là pour la librairie. D'accord. Ben, faisons tous les trois. On va pas laisser tout seul. Allons-y, on n'est pas obligé de systématiquement. Allons à la librairie. On va à la librairie tous les trois. Sachant que là, vous arrivez en fin de journée quand même. Ouais. Parce qu'en fait, juste petit point temporel, on est resté sur la même journée. Donc, tout ce que vous avez fait là, ça vous a quand même pris l'après-midi. Oui. Ok. Donc, justement. On va peut-être à la librairie avant que ça ferme et on verra demain pour retourner chez Milberger. Comme ça, t'as le temps de... Non, mais je sais pas vous, mais dans tous les films que j'ai vus, à chaque fois qu'il y a un mec qu'on n'est pas censé aller voir, qu'on va le voir, eh ben le mec, le lendemain, il n'y est plus. Alors, je sais que c'est... Ça, c'est parce que je regarde le cinéma de notre beau pays, mais... Eh ben, on fait ça, on se dépêche. J'ai envie d'y aller maintenant. Ok, on y va maintenant. On y va maintenant. Ouais. On y va maintenant. Allez-y tous les deux, moi je viens avec nous, on y va maintenant. La librairie, elle ouvrira demain. C'est vrai. Ok. Ok. Allez. Je pense que c'est une piste qui ne mène à rien, mais je vous suis. Si on doit l'explorer jusqu'au bout, et jusqu'à maintenant, on n'a pas exploré jusqu'au bout. Vous vous retrouvez devant la chambre de Milberger. On vous laisse rentrer sans aucun problème, maintenant que vous êtes identifié. Il est toujours là. On lui a rajouté un moniteur. Un moniteur cardiaque, juste pour... T'as eu du... Ouais. Moi, je reste à l'extérieur. Je suis un peu saoulée et fatiguée. Et du coup, je trouve une chaise et je regarde sur Internet, enfin sur mon téléphone. Il y a des petits bancs, en fait, dans le couloir. Ouais, je me mets sur un banc et je cherche sur le nitrate d'ammonium tout ce que je peux trouver pendant que je les laisse durer. J'y vais. Je reste dans l'encadrement de la... Je le regarde. Ouais. C'est la même personne que dans mes rêves ? Oui, exactement la même personne, sauf qu'il a beaucoup de kilos en moins. Que dans le rêve ? Que dans le rêve, oui. Mmh. Ok. Lawrence, c'était... Pourquoi t'es venu dans un rêve ? Pourquoi tu m'as dit ce que tu m'as dit ? Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là ? Dis-moi. J'ai envie qu'il se passe un truc là. Tu viens, je rêve de trucs, tu me parles, tu me montres des choses et là rien. C'est quoi ce truc ? Moi je vais devenir dingue si tu m'expliques pas ce qui se passe. Tu t'es éventré devant moi. Tu m'as montré ton ventre ouvert. Je l'inspecte. J'aimerais l'inspecter en faisant gaffe qu'il n'y ait personne à côté. T'as rien sur toi. Et je veux juste faire des poignées, coups, derrière coups, nuque, zone clé, marque, éventuellement. Mais tout ça dans le respect. Mais sans exagérer, sans le retourner complètement, tu vois. Sans faire de gestes trop grands qui auraient des conséquences dans l'irrespect. C'est un peu délicat parce qu'en fait, il est extrêmement fragile. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, je ne perçois pas ça là tout de suite. Okay. Il est très très fragile, mais en fait, dès que tu le découvres, tu constates ce qu'elles ont constaté, c'est-à-dire il a des pansements. Fais-moi un jet de perception, tiens. Mmh.
pansement. Ça, c'est pas il trébuche et il se fait un bras. Non, c'est un fumble, hein, pour info. Il a des pansements, il est. Enfin, exactement les mêmes choses. Deux perfusions qui. Voilà, qui ont été bien placées. Et il regarde le plafond, toujours. Avec ce moniteur qui fait pip, 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 pip. Je m'en vais. Pip, je m'en vais. Pip. Je peux pas. C'est bon. Ça sert à rien. On y va. Je sors et je pars pour la voiture. Une idée un peu folle qui me vient en tête, mais du coup, elle est pas applicable. C'est que tu fasses la même chose devant lui. Ça le ferait réagir. Quoi ? Mais ça va pas, toi ? Je sais pas, j'ai pas d'autre idée. Non, mais c'est bon. Bah, pendant que t'es en train de partir, toi, t'es dans le couloir et... J'ai presque envie de passer la nuit là et de voir, en fait, les allées et venues des médecins, des infirmières, de voir peut-être que dans son sommeil, je veux dire, il y a tout un rapport au sommeil aussi. Et est-ce qu'il se passe un truc la nuit, en fait? Est-ce qu'il fait des cauchemars? Est-ce qu'il parle? On peut rêver de lui si on reste là? Non, je vais parler dans nos rêves. Ben non, ce que je me dis, c'est plus que peut-être que lui, il est encore en vie, donc il y a forcément un moment où son cerveau déconnecte complètement et où il a quelque chose qui ressemble à du sommeil et peut-être qu'il se passe un truc à ce moment-là. En sortant, j'envoie un texto à Ella, je lui dis... Je suis pas loin. Hein. Bah, Il est sorti à la voiture. J'envoie un texto à Ella disant il y a son adresse sur le lit ou quelque part, son adresse de chez lui. Non. Non, enfin, je lui demande de vérifier ça. Ah. J'envoie un texto à Ella de dire de vérifier la pièce et de trouver... Mais du coup, non, il n'y a pas son adresse. Bon, je peux essayer de la demander à l'hôpital. Je vais voir l'accueil. Ça fait partie des données du dossier. Ah, ça fait partie du dossier. Oui, ça fait partie du dossier. Ah. Ok. T'en penses quoi, Ella? J'essaye de trouver un moyen de soit de pression, soit de d'essayer de récupérer son dossier médical, mais de toute façon, on n'a aucune chance d'avoir un mandat. Il n'y a aucune raison pour qu'un médecin nous file le dossier sans mandat. Et rester là. À moins qu'on le vole, mais je ne saurais même pas où le chercher. Non. Moi, je veux bien rester là. Après, si je reste toute seule, je ne sais pas ce qui peut se passer. Il se passera probablement rien d'ailleurs. Toute seule. Mais moi, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce qu'Eriden a dit, c'est pas complètement bête. Peut-être que demain matin, si on part et qu'on revient, ça se trouve, on aura manqué quelque chose. J'envoie un texto maintenant à Shane. Il dit, on y va, c'est toi qui as les clés, je t'attends. Bon, Eriden s'impatiente. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais quoi? Prends les clés. Vous rentrez et je reste là. De toute façon, je suis dans un hôpital psychiatrique déjà. S'il y a quelqu'un qui doit rester là et qui a un lien magique, ça doit être Aiden. Il n'y a pas de raison que toi, tu restes si Aiden ne reste pas. Aiden ne restera pas. Je sais pas, on peut essayer de le convaincre. On a bien réussi à le convaincre de venir ici, alors qu'à la base, il voulait... C'était un peu son idée. Je suis pas sûre qu'on y soit pour quelque chose. Oui, mais... Il n'avait aucune envie de venir ici, mais écoute, pour l'enquête, il est venu. Je te donne les clés, tu vas le rejoindre sur le parking, ça va peut-être le calmer un peu et tout, parce que là, il doit se monter en pression tout seul. Tu vas le rejoindre, soit tu sais le convaincre à rester cette nuit ou pas, tu fais comme tu veux. En tout cas, moi, je reste là, t'es libre de me rejoindre ou pas. Peut-être que je partirai s'il se passe absolument rien, mais j'ai envie d'explorer cette piste à fond, parce qu'en fait, il est là, il est devant nos yeux. Et on peut pas... Je sais pas, c'est trop important ce qui se passe avec lui et ce qui se passe avec lui. J'ai pas envie de laisser couler ça. Faut pas oublier qu'on a deux enquêtes sur le feu et que demain, on va avoir une grosse journée si on dort pas. Je sais. Ou si on dort mal, en tout cas pas dans nos lits, sur des chaises de salle d'attente. Je sais. On sera pas d'attaque demain, ça va être l'enfer.
Donc, on peut faire ça. Reposez-vous mais ce ne sera moi. Pas sans prix. C'est un sans risque que je... Prix d'énergie. Là, le téléphone de Shane fait... Allez, prends les clés et va rejoindre Aiden, tu lui dis ce que tu veux et je raccroche. Tu fais hyper bien vibreur. Vibreur professionnel. Je raccroche mon téléphone et je te dis, allez, va le rejoindre, on en parle. Avant de sortir, j'ai fait des recherches du coup sur le nitrate d'ammonium, est-ce que j'ai trouvé des infos? Pas grand chose, c'est quelque chose de très courant. C'est un truc, alors bien sûr, c'est un produit agricole, donc il doit y avoir évidemment des registres de gens qui l'achètent, etc. Mais c'est vendu de manière assez courante et effectivement, ça a été utilisé de manière criminelle dans plusieurs attentats un peu connus. Il y a Andrés Breivik, donc à Oslo, qui l'a utilisé notamment. T'as les attentats d'Oklahoma en 95 aussi, qui ont été perpétrés avec des bombes au nitrate d'ammonium. C'est aussi quelque chose qui est stocké par exemple par les fameuses milices alt-right qui ont leur camp au milieu de la forêt, milices paramilitaires, etc., en vue des futurs changements et des futurs coups d'État à effectuer, si jamais un jour peut-être pour préserver leur liberté, tout ça, the American Dream, etc. etc. Bref, c'est quelque chose d'assez courant. En même temps, comme c'est quelque chose qui est très couramment utilisé dans l'agriculture, il n'y a pas de contrôle dessus, quoi. Il y a peu de contrôle dessus. C'est juste qu'en règle générale, les instances typées ATF et autres, les agences fédérales en fait, essayent d'avoir un œil sur les achats trop massifs par rapport à la taille d'une exploitation ou ce genre de choses, par exemple. Voilà, c'est tout. Ok. C'est tout. Ça marche, on pourra toujours demander si en effet ils ont vu un achat en grande quantité. Oh merde, deux fois. Ok, donc je sors, je rejoins Aiden. Voilà. Ok. Elle est où, Shane? Elle a une idée un peu farfelue, mais c'est peut-être une bonne idée, je ne sais pas trop. Elle aimerait rester dormir là. Elle pense que Milberger va... C'est toi qui l'as dit, qu'il allait s'éteindre dans la nuit. Et qu'il y a quelque chose qui va peut-être se passer cette nuit et que si on le rate, voudra pour non, toujours. Non, mais ça, c'est moi qui dis des bêtises. On s'égare là totalement sur des superstitions. Mmh. Moi, j'en ai... Mmh. Une enquête, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'est pas sur une piste, là. On est sur une hypothèse basée sur le fait qu'on fait tous les trois des alus dans une nouvelle zone, une nouvelle vie. Moi, je veux qu'on passe à la suite de façon concrète. Ah, mais je suis la première à le dire, hein, que c'est n'importe quoi, mais... Mais et puis si on n'est pas sous substance, enfin, c'était pas sous substance. Non, je suis pas sous substance. Non. Et en plus, Milberger, c'est quand même autant moi, j'entends des voix. Bon, je sais pas d'où ça peut venir, un traumatisme d'enfance. Il y a plein de pistes possibles en termes de la psyché. Mais toi, tu as vu quelqu'un. Tu as vu son visage, Arco. Tu n'avais jamais vu à quoi il ressemblait. C'est quand même curieux. Okay, mais tu veux pas aller au bout de cette piste? Admettons, le paranormal, c'est un truc. On n'a pas besoin d'être à 6 mètres du machin pour que ça se produise. Moi, je vais aller dormir ce soir. Si mon cerveau, il a besoin de me retourner la tête, il le fera. C'est pas en étant à 6 mètres de quelqu'un dans la vie réelle que ça mais va changer. La dernière fois que ça s'est passé, t'étais dans un hôpital. Oui, je sais. Moi, quand ça s'est passé, j'étais sur les lieux. Shane, quand ça s'est passé, elle était sur les lieux. T'étais pas sur les lieux pour le Bayou, toi. Ah non, c'est vrai, pardon, moi c'était... Non, j'ai entendu des voix aussi sur les lieux. Mais j'étais pas si loin quand j'ai entendu. Non, mais bon, j'ai juste... Tout est relatif. Mais Shane était sur les lieux. Et toi, t'étais dans un hôpital. Il y a quand même un lien. Eh ben, t'as les clés? Oui, j'ai les clés. Ok, mais ben écoute... Dans ce cas-là, Shane reste, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux dormir. Demain, on a d'autres sujets à attaquer. J'ai envie d'attaquer ces sujets. Ok. Non, je suis désolé, Ila. Ok, pardon, okay. Je suis pas... Désolé. Je suis pas sympa, là. Non, mais t'as raison. Après tout, ça va probablement mener à rien. C'est juste frustrant de se dire que voilà, il y a peut-être quelque chose et qu'on peut le rater, mais... Eh ben, Shane le verra. T'as probablement raison. Elle est connectée, elle aussi. Je vais quand même rester avec elle. J'ai pas envie de la laisser toute seule dans cet hôpital. D'accord. C'est glauque. Bon, donne-moi les clés. Tiens. Je viens vous chercher demain matin. Ouais.
Tu pourras amener du café. Ouais, ok. C'est gentil. À demain, alors. T'as un pull ? Tiens, prends ma veste. Je mettrai autre chose à la maison. Je m'en servirai d'oreiller. S'il y a un truc, envoyez-moi un message, je garderai mon téléphone en sonnerie. T'as un chargeur ? Avec moi, là ? Oui, j'en ai dans mon sac à la voiture. C'est bon, tiens. Merci. Tu as des chips ? T'as 100 balles et un Mars. T'as pas des biscuits, des trucs à grignoter ? Non, j'ai pas ça, par contre. Il y aura des distributeurs. Je suis préparé pour... T'as pas une bouteille d'eau ? Arrête, il est là, je m'en vais. Pourquoi je pars dans la voiture ? Moi, je vais dormir à l'hôpital. Très bien. Avec moi ? Les filles vont rester à l'hôpital. Toi, tu rentres chez toi ? Oui. Ok. J'envoie un SMS à ma femme. Non, je l'appelle. J'ai envie d'avoir une discussion avec elle. Pour la faire courte, contexte compliqué que je préférerais qu'elle patiente avant de venir à la Nouvelle-Orléans. Ok. Si tu veux, on peut... Mais en fait, elle va... Enfin, la discussion va pas être très longue, du coup. Elle a appris à pas poser de questions parce qu'elle sait que tu bosses sur des affaires dont tu peux pas parler. Donc, elle va te dire oui. Mais que ça dure pas trop longtemps. Oui, oui, t'inquiète pas, chérie, je vais... C'est complexe, là, mais je veux que ça ne soit plus pour qu'on puisse tous les deux vivre notre vie. Ouais. Je te tiens au courant de tout ça. Ouais, c'est... Rapidement. Ouais, okay. Promis. Fais attention à toi, quand même. Promis aussi. Ouais. C'est plus compliqué. Surtout que je ne l'ai pas dit pour ça. Et accroche. Next night. Night. Oui. Je viens de penser à un truc qui a peut-être aucun... Enfin, pas tout à fait aucun rapport, mais comme on est dans un hôpital, j'avais pas une griffure, là, quand j'ai fait mon rêve. Ah, c'est vrai. Si. Elle est dans quel état ? Parce que j'y ai pas du tout retouché. Non, enfin, c'était pas une griffure profonde, hein, c'était comme une griffure de... Enfin, la profondeur d'une griffure de chat, tu vois. Ah bon, ça va. Pas, ça va. Ça s'est pas infecté ou quoi ? Y a pas besoin. Pas du tout. Ok. Pas besoin de suture, pas besoin de tout ça, tu vois. Ok, c'était l'occasion d'avoir un joli pansement avec un pansement crème des neiges ou Hello Kitty. Bon, tant pis. Yep. Non, non, rien de très grave. Mais c'est juste qu'effectivement, par contre, la griffure était matérialisée sur tes bras. Ok. Bah, je vais me caler à côté de Shane avec la veste de Hayden comme oreiller. Mm-hmm. Je vais me blottir comme ça. Ok. Et avant de m'endormir, je lui dis, t'as intérêt à ce qu'il se passe un truc magique, parce que franchement, ça va être une nuit de merde. Elle lui passe. Et il ne se passe rien. Vous allez juste passer la nuit avec ce bip permanent. Bip, 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 qui est horrible, qui vous empêche de dormir correctement. En plus, vous êtes sur des bancs, enfin, c'est... Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Vous réveillez, vous êtes fatiguées, toutes les deux. Tu te réveilles alors que ton téléphone sonne. Oui. Hayden ? Hey, c'est Clarks. Ça va ? Oui, ça va, et toi ? Ouais, ouais, dis donc, c'est pas toi qui enquêtais sur un gars, un certain Babbitt, là ? Oh, oui, c'est moi qui suis... En effet, ouais, je t'écoute. Bon, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Apparemment, il a tué sa femme avant de se suicider. Et voilà, les flics sont sur les lieux, si t'as envie de t'y rendre, en tout cas. Voilà. Ok. Oui, je vais y aller. Clark, tu connais le... Ouais. La juridiction de cette enquête, elle tombe chez qui, du coup ? Parce que c'est quand même un témoin de notre enquête FBI. Ouais. La base, forcément, là, vu comme ça, si c'est un suicide, enfin, s'il a tué sa femme et qu'il s'est suicidé, logiquement, ça devrait être plutôt sur la New Orleans PD. Mais après, il faut voir. Il faut que tu vois. Si jamais c'est un truc crapuleux, par exemple... Ben, peut-être que tu peux le ramener dans le giron du FBI.
tu vois, en le connectant à ton enquête, un truc comme ça. Ouais, c'est ce qu'il me faudrait faire. C'est ce qu'il me faudrait faire, parce que je veux pas que ce sujet, je veux pas perdre ce sujet de vue, parce que c'était un sale type, mais ça m'embête que ça arrive à ce stade-ci là. Ouais, non, mais c'est, écoute, vois le détective, c'est détective Dixon, Nicolette Dixon. Ouais. C'est elle qui est en charge de l'affaire. Donc, écoute, vois avec elle, vois ce que tu peux récupérer. Bon, la police de la Nouvelle-Orléans n'est pas trop chiante à ce niveau-là. Donc, en règle générale, quand on a besoin de quelque chose, ils nous parlent. Si pour eux, ils ont résolu le truc, bah, ça ne sera pas très très dur de reprendre l'enquête. Bref, parle avec elle, vois avec elle. Et puis tu verras si tu peux accéder à la scène de crime. Ok, merci Clarks, je vais voir avec elle. Tu penses qu'elle est sur place déjà? Ah, ben elle en a fini, je pense même. Ok, d'accord. Là, actuellement, le coroner est en train de relever les empreintes. Ça s'est passé à quelle heure? Ça s'est passé dans la nuit. Ils ont trouvé le corps, je crois, à 5h, 6h, 5h, 5h. Comme ça. Et qui l'a trouvé? Ah, c'est les voisins. C'est pas les voisins, c'est les flics. Apparemment, c'est. Ils avaient laissé la télé à fond de ballon et les voisins ont appelé la police et la police a frappé, personne n'a répondu, ils ont trouvé ça bizarre, ils sont rentrés et puis ils ont trouvé des corps, quoi. Ok, merci Clarks, j'y vais maintenant. Yep. Attends, pendant que j'étais au téléphone, je voulais te demander, les sœurs de Marie, tu nous avais raconté tout ce que tu savais sur eux? Tu nous avais parlé de pas mal de choses, ouais. Mais rappelle-moi leur pédigré, c'est quoi leur délire à eux, ouais. Écoute, c'est... On sait pas trop ce qu'ils font, je pense qu'ils donnent dans diverses contrebandes, les gars. Pas de trafic de drogue, je crois pas que ce soit le trafic de drogue chez eux. Bref, des contrebandes diverses et variées, après bon, ils ont bonne réputation auprès des habitants parce qu'ils les aident, quoi. Tu vois? Ouais, je me souviens, j'en ai entendu parler aussi. Ok, très bien. Et... T'as des nouvelles, toi, du côté zombie? Rien du tout. Non, mais de toute façon, Kessar m'a mis sur une autre affaire, donc pour l'instant, là, je peux pas trop m'occuper de vous. Ouais, d'accord. Mais voilà, mais comme j'ai appris ça ce matin, et je suis passé devant, j'ai vu, ils étaient en train de relever tout le bordel, mais là, c'est fini, hein, je pense que les corps ont été dégagés, tout ça, hein, le coroner est en train de se barrer, donc... Ok, d'accord. À mon avis, t'auras plus de chance au commissariat ou un truc longtemps. D'accord, je vais décider ça plus tard. Je te remercie, à bientôt. De rien, bientôt. Je fonce sur place, pas au commissariat. Je veux la maison. Qui est... La maison de William... De Babita, qui est actuellement barrée de scellés jaunes. Ouais, je vois. Il y a quelqu'un sur place? Non, il n'y a plus personne. Ok, je rentre sur le territoire condamné. Et objectif ici, moi, il y a un fond qui ne me plaît pas dans le truc, dans le principe. Il y a un scénario crédible. Ce que je veux, c'est juste assumer la présomption de cette situation, présomption d'assassinat de Vanessa, présomption de suicide. Mm-hmm. Mais je veux analyser l'aspect balistique de la chose. C'est mon gros sujet. J'ai d'ailleurs une voix d'expertise dans ce domaine. Et ce que je veux, c'est comprendre position de mon décor, façon dont la rixe a démarré, cohérence de la scène par rapport à ce qui a été dit, et trouver toute trace de balle, toute orientation de balle, même si je vais devoir comprendre les choses autrement après en basculant au commissariat, mais je veux comprendre avec ce qui est présent, déjà, dans un premier temps. Donc tu rentres? Je rentre. Ok. Ouais. Tu brises les scellés de la police? C'est les bandes jaunes, là. Ouais. Ah, il y a autre chose? Non, il y a les bandes jaunes, mais en fait, c'est ce qu'on appelle des scellés. C'est-à-dire que tu as des bandes jaunes qui sont scellées sur les murs. Oui. Et c'est pas juste des croix, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça barre la porte. Oui, je vois. Tu vois, pour empêcher les gens d'entrer. Donc la question, c'est est-ce que tu brises les scellés de la police? Je vais faire un tour du bâtiment, quand même. Pour voir s'il y a d'autres points d'entrée. Ok. En fait, il y a un point d'entrée à l'arrière. Je suis en train de réfléchir. Oui, il y a un point d'entrée à l'arrière. Il y a un petit jardinet derrière. Mais qui lui-même est scellé, évidemment. Aussi par la police. Ouais. Même chose. En fait, ils ont intégralement scellé la maison, le temps que, certainement, ton enquête, hein, c'est un truc assez classique. Ça me plaît pas. Fenêtre? Pareil. Et le truc assez classique sur les fenêtres, en fait, c'est que leurs scellés sont à moitié sur le mur.
et à moitié. Donc ils sont accrochés au mur d'un côté, accrochés à la fenêtre de l'autre. Ce qui fait que si tu ouvres, ça pète. Ouais. Forcément. Ouais, ouais. Hey, Aiden. Listen to your heart. Non, justement, mon cœur, il est plutôt avec la loi, là. Je vais rester dans l'obéissance du principe et je vais passer un coup de fil au commissariat. La ligne que quelqu'un répondrait en sachant que c'est le FBI. Est-ce que c'est possible, ça? Tu dois passer par le standard. Ah. C'est toujours la même chose. Tu passes par le standard, tu demandes, tu t'annonces. Ouais, très bien. Et ensuite, tu vois. Ouais. Bonjour, ici agent Aiden Williams, FBI, juste à côté. J'ai besoin de parler au détective Dixon, s'il vous plaît. Oui, je vous le passe. Merci. C'est marrant, j'ai compris elle tout à l'heure. Oui, elle. Nicolette Dixon. Ah, je vous le passe. Ok, d'accord, Nicolette Dixon. Ok. Mais tu dis le détective. Donc ah, je vous le passe. C'est bon. Au bout d'une petite minute, le combiné se décroche. Détective Dixon. Bonjour, est-ce détective. Que je peux pour vous? Bonjour, détective. Ici l'agent Aiden Williams. Bonjour, agent Williams. On ne se connaît pas, on n'a jamais papoté ensemble, je suis nouveau sur le secteur. Et j'ai appris l'événement malencontreux qui s'est produit à la maison de William Babbitt pendant la nuit. Très bien, oui. Cet individu était important sur une enquête que j'ai en cours et je voulais votre permission pour pouvoir observer la scène, même si elle paraît banale. Je suis passé moi-même voir cet individu dans la journée d'hier. Il est important pour moi de comprendre ce qu'il en est, si vous le voulez bien. Oui, il n'y a pas grand-chose à observer, je vous avoue, à l'intérieur. Il y a eu... nous avons les photos si vous le voulez, mais il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. Et il y a eu un seul coup de feu qui a été... Monsieur Babbitt s'est posé le pistolet sur la tempe et a tiré. Vous avez tout ceci documenté en photo ? Bah, évidemment, bien sûr. Nous faisons bien notre travail. J'en doutais pas. Je voulais simplement... j'ai eu un petit problème de carte SD perdue je préfère m'assurer, navré. J'aimerais passer au poste, vous voir, voir ces indices. Et sinon, quelle est la procédure à suivre de votre côté pour que je puisse accéder à la scène elle-même? Il faudra juste être accompagné d'un de nos hommes, si vous voulez bien. Pour le reste, aucun problème, évidemment. Nous sommes clairs que c'est notre coroner qui s'occupe de l'autopsie. Absolument, je suis OK avec cette idée. Est-ce qu'il est possible pour moi d'y assister? Évidemment, si vous le désirez. En tant qu'observateur. Bien sûr. Ouais. Je ne suis pas contre le fait de collaborer avec les agences fédérales. Super. Et comme de mon côté et de notre côté, il est tout à fait naturel de collaborer avec la MOBD. Dans ce cas-là, je vais passer immédiatement pour voir les pièces qui ont été prises. Et lorsque le coroner fera son travail, si vous pouvez me tenir informé du moment où ça se produit, je bloquerai le créneau. Mais il va s'en charger dans les 3 heures, je crois. Ah d'accord, bah, très bien, je serai sur place alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Et la suite. Au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Et oui, 22h56, il est temps de raccrocher, les amis. Pendant que nous sommes en train de nous étirer avec Shane. Avec un mal de dos terrible. Parce que vous avez vraiment très mal dormi et tout ça pour rien. Voilà. Yes. Non, pour en avoir le cœur net. C'est une perspective, oui. Pas rien. Est-ce que dans la nuit, je me suis un peu avachie sur Shane et que j'ai bavé sur son épaule ou pas? Oh la lourdeur. Ouais, je pense, ouais. Un jet bave. Elle m'a vomi dessus, donc. Effectivement, tu as une grosse trace de bave comme ça. Je vais devoir passer toute la journée comme avec ça. Une grosse trace. Tu sais, cette trace, même quand elle sèche, qui reste, où tu vois l'auréole de la trace de bave. Et l'odeur. Et l'odeur, bien sûr, qui reste. Oh, merde. Surtout qu'elle ne s'est pas lavé les dents la veille. Je me suis pas juste un peu accoudée sur toi, je me suis avachie sur toi. Tu étais mon oreiller. C'est bien moi qui ai passé la pire nuit, quoi. Ouais. Ça va, Ryan?
Cet épisode-là, je l'ai trouvé intense. En même temps, il y avait des sujets qui concernaient Aiden de façon traumatique. Et ouais. Fatigant d'être Aiden. Ouais, fatigant. Aujourd'hui. Non, mais par contre, très chouette. C'était une journée intense. Oui. Et ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Enfin, on a eu plein d'infos. Vous avez eu et plein il d'infos. S'est passé pas rien. Il s'est rien passé, on a eu plein d'infos. Il s'est passé beaucoup de choses et il s'est rien passé en même temps, oui, tout à fait. Vous avez eu beaucoup d'infos et en même temps l'impression de pas forcément totalement avancer parce que vous ne savez toujours pas où vous mettez les pieds. Ouais. Il faudrait pas qu'on ait l'impression que l'action ne se passe que quand Aiden prend une balle. Non. C'est vrai que ça fait longtemps c'est plutôt sympa. Que tu t'es pas pris de balle. T'as essayé de me faire faire n'importe quoi là, avec la voix d'Yves. Ah, oui, ça aussi. Mais non, je déjà qu'elle a provoqué le végétalien qui est en toi. Ah oui, là j'ai saisi l'opportunité pour l'autodérision. Moi, en tant que brouteur d'herbe, officiel moi-même. Brouteur d'herbe, j'aime beaucoup ce terme. Là, j'ai un copain qui dit ça, il l'assume bien comme ça aussi. Brouteur d'herbe. Je ne mange pas de graines. Non, par contre, non, j'aime bien ça. Bon rêve. En tout cas, merci beaucoup tous les trois d'avoir été là. Merci pour cette belle partie. Merci à vous. Merci à vous dans le chat merci que je vois. J'ai un peu regardé, mais j'ai pas forcément le temps de regarder le chat. Mais on vous lit et merci d'être resté jusque là avec nous. C'était effectivement très très cool. Plein de questions. T'as plein de questions. Ouais, j'ai plein de questions. T'as plein de questions. J'ai noté toutes mes questions. Et t'as bien noté tes questions. J'ai plein de questions. C'est dingue. C'est chouette. Mais tu deviens une bonne élève en plus. Bah oui. Comment ça je deviens Je me souviens plus, le prochain c'est quelle date déjà, rappelez-moi. C'est dans un mois. C'est dans un mois, mais je sais plus lequel. C'est le 22, hein, c'est je ça calcule. Ouais, c'est le 22 mars, je crois. Le 22 mars, ouais. Donc on se retrouve effectivement. 22 mars Le 22 avril, pardon. Oh god. Le 22 avril. Le 22 avril. Wait. Non, c'est pas le 22 avril. Ah, c'est quoi le vendredi le bah, c'est le troisième vendredi. Oui, c'est le troisième, c'est plutôt le 15, parce que le 22 avril, je crois que c'est un tournage. Donc je... Ah oui, c'est le 15 avril. Parce que moi, personnellement, enchaîner un tournage toute la journée sur All and Play, plus l'héritage Greenberg à la fin, je pense que vous me retrouvez liquéfié sur place. Non, donc c'est effectivement le 15 avril. Et ensuite, c'est le 20 mai. Puis le 17 juin. Noté. Et nous irons jusqu'en juillet comme ça. Et je pense qu'en juillet, on n'aura pas fini encore cette campagne. On est trop lent. Mais non, c'est... pas du tout. Elle est très longue et surtout, elle demande beaucoup d'enquêtes. Donc, beaucoup de choses qui se passent. Mais moi, j'aime bien les moments roleplay, les moments où on discute, on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Quand on prend mais oui, le c'est temps, très bien. C'est ça qui est bon. Mais il y avait des trucs chauds patates, là, c'était chouette. J'ai bien aimé. Il y avait des tensions amicales, tout en étant moins intenses que les tensions la première fois. Je suis super contente de cette session. J'apprécie notre amitié et celle de nos trois personnages. Moi, j'aimerais mettre mes aptitudes physiques À l'épreuve, parce que je suis quand même hyper balèze. Bah et moi, mes capacités médicales, la seule fois où ça peut servir à la personne, c'est un légume. Ouais. Et psychologique. J'ai des trucs pour faire cracher le morceau aux gens et... Et c'est un légume. Mais c'est un légume. Je sais. Tu peux changer de métier. Hein. Bah super. Allez. Déjà que Red Fanny change de métier, alors si en plus il a changé de métier. Mais oui, c'est vrai que Red Fanny change de métier. Je pars pour mieux revenir. C'est magnifique. C'est beau. Tu restes en stream quand même. Je reste en stream. Mais regarde-moi tout ça, comme c'est beau là, tout ça. Et puis je reste avec vous. Bah oui, j'espère bien. Évidemment. J'espère bien. En tout cas, merci tous les trois et toutes les trois aussi. Mettons au féminin un petit peu tout ça. Merci toutes les trois. On est en majorité. Enfin, bah oui, ici en tout cas. Vous êtes en joueuse, vous êtes majoritaire. C'est vrai. Donc merci toutes les trois, merci à vous dans le chat, merci de nous avoir suivis jusque là et d'être restés jusque là. On vous dit rendez-vous donc pour les rediffs, c'est sur YouTube et c'est une fois par semaine pendant les trois prochaines semaines. Et nous on se retrouve le 15 avril pour le prochain live. À très bientôt les amis. Et puis sur ce, écoutez, je vous dis cœur sandwich et ciao. Au revoir le chat. Au revoir.